Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit haul AliExpress. Avant de faire cette vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos puisque lors de ma dernière vidéo haul AliExpress, que je vous mettrai ici, clairement je me suis fait assassiner dans les commentaires parce que j'avais pas mis les liens, parce qu'en fait j'avais commandé via mon appli de téléphone et j'avais pas retrouvé les liens une fois allé sur mon ordinateur et du coup je pouvais pas vous transférer les liens de mon téléphone sur mon ordi etc, et clairement les gens m'ont assassiné en disant que ça servait à rien de faire un haul si je mettais pas les liens. Mais moi je considère que s'il n'y a pas les liens, vous avez vu le produit, je sais pas si vous êtes intéressé par j'avais mis un t-shirt Barbie, vous tapez dans la barre de recherche AliExpress t-shirt Barbie et vous allez tomber dessus. Bref, moi en tout cas c'est ce que je fais. Du coup dans ce haul là je vais à tout prix essayer de vous mettre les liens parce que j'ai pas envie de me faire assassiner comme je me suis fait la première fois déjà. Donc on va commencer tout de suite. Dans cette vidéo il y a beaucoup de choses sur le thème des licornes puisque je fête mes 25 ans très bientôt au mois de septembre là, dans pas longtemps. Seuls les vrais vont savoir la date, donc n'hésitez pas à la mettre en commentaire si vous la connaissez. Et je fais mes 25 ans sur le thème des licornes parce que j'adore ça, les licornes c'est ma vie. Je suis... En fait quand on dit licorne on pense direct à moi. Et du coup j'ai acheté pas mal de choses sur ce thème là que je vais vous montrer. Et je vais aussi vous montrer d'autres petites choses qui n'ont rien à voir avec un haul AliExpress mais qui ont à voir avec mon anniversaire. Donc c'est parti. Alors la première petite chose que je vous montre c'est ceci, c'est pour faire mon gâteau sur le thème licorne, ça m'a coûté 79 centimes. Donc là en fait il y a une paille qui, je sais même plus à quoi elle sert, je crois qu'elle sert à tenir l'intérieur du gâteau, quelque chose comme ça. Et moi je l'ai surtout pris pour les yeux en fait, pour avoir les yeux sur mon gâteau licorne en pâte à sucre, parce que je vais me faire mon gâteau vu que je fais déjà des gâteaux en pâte à sucre en temps normal. Et il me fallait juste les yeux parce que j'avais la flemme de les découper en pâte à sucre etc. Voilà, je les ai pris, ce sera sûrement réutilisable ou sinon je pense que je les jetterai, mais j'ai trouvé ça plutôt pratique. Ensuite pour 1,76€ je me suis pris cette petite corne pour mettre sur le gâteau. Encore une fois j'avais fait déjà un gâteau licorne pour l'anniversaire de ma sœur et j'avais fait les oreilles, la corne en pâte à sucre, et là j'avais vraiment pas envie de m'embêter parce que je vais essayer de tout faire un maximum moi-même, tout ce qui est des verrines, des petits fours, et je vais avoir assez de boulot comme ça, donc j'ai pas voulu me prendre la tête avec, avec la corne de la licorne sur le gâteau. Donc voilà, j'ai acheté ceci tout prêt. Il y a la corne, les oreilles, on pouvait choisir la couleur. Et puis il y a un petit socle pour la faire tenir sur le gâteau. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Puis ça je pourrais le garder pour le réutiliser pour faire d'autres gâteaux licorne si j'ai besoin d'en refaire. Il y a un article qui n'a rien à voir avec mon anniversaire mais qui a à voir avec mon chat Simba. Pour 1,57€ j'ai voulu tester ce gant qu'on voit un peu partout sur, sur Facebook. Vous savez c'est le gant qu'on met, on caresse son chat et on a tous les poils ici. Donc je l'ai essayé, d'ailleurs il y a encore... plein de petits poils roux. Je l'ai essayé, ça fonctionne vraiment très bien, il adore, il se laisse faire, bon pas longtemps. C'est une taille unique mais moi elle me va nickel et j'ai des très petites mains pourtant, donc voilà ça flotte un peu mais ça me va. On peut régler ici avec le scratch pour refermer et ça fait vraiment comme dans les vidéos qu'on voit, en fait on a tout un tapis de poils et on l'enlève en tirant, donc voilà c'est plutôt pratique. Après j'aime bien mais je préfère quand même sa brosse. Après avec sa brosse je peux pas aller sur tous les endroits comme la tête, les pattes. Donc ça bah ça me permet de brosser sur les endroits où j'ai pas accès. Ensuite pour 4,35€ c'est l'article que j'avais le plus cher dans ma commande. J'ai pris plein de petits porte-clés licorne pour qu'à mon anniversaire je les pose sur la table. Et que chaque personne s'il le souhaite, plus les femmes à mon avis, repartent avec leur petit porte-clés licorne. Donc c'était un lot de... c'était un lot de 12 pièces. Avec que des porte-clés différents et ils sont phosphorescents la nuit. Donc voilà, vous avez des licornes entières comme celle-ci, vous avez que la tête. J'essaierai de vous les montrer en close-up. Il y en a vraiment des très très jolies comme celle-ci. Moi je m'en suis déjà pris deux que j'ai mis sur mes clés de voiture et mes clés de maison. Ils sont super mignons. Après vous dire que c'est de la grande qualité, non. Mais pour ce qu'on va s'en servir en fait, c'est très bien. Ensuite j'ai pris un lot de petits pompons, donc là ils sont pas faits mais je pense que je vous mettrai une image pour que vous voyez ce que c'est. C'était, j'ai pris 6 roses et 6 blancs, l'unité, enfin l'unité, les 6 roses m'ont coûté 1,83€ et les 6 blancs m'ont coûté 1,83€, donc en tout j'en ai eu pour les deux pour 3,65€. C'est des petits pompons qui font 6 cm sur 15 et 15 ça m'étonne, bon je sais pas, restez peut-être en pouces au lieu de... dans centimètres. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça je les ferai le jour J, c'est pareil, c'est pour mon anniversaire, pour les accrocher dans les arbres s'il fait beau, sinon ce sera au plafond, et en mettre quelques-uns sur la table. 96 centimes, j'ai pris 10 grammes de petites confettis comme ça. Vous allez voir du coup que mon anniversaire ça va être dans les tons rose, blanc et rose gold.
Et un petit peu de jaune aussi, bah en fait un peu les couleurs licorne. Du coup voilà, j'ai pris ces petites confettis pour poser sur la table. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que sinon c'est clair que ça va s'envoler partout dans le jardin si on est dehors. Et sinon si jamais ça y a trop de vent, je les mettrai dans un ballon et je mouflerai le ballon. Ensuite pour 87 centimes je me suis pris, en fait je cherche absolument des belles boucles d'oreilles pompons, mais j'en trouve pas et celles-là me plaisent pas des masses. Enfin, je les trouve un peu grosses en fait. Voilà, on a l'impression qu'on ne voit que ça lorsque je les porte. Donc elles se présentent comme ça, c'est un anneau avec les petits pompons ici. Je les ai pris rouges parce que j'en avais envie de rouge, mais j'ai l'impression que ça fait très très gros et qu'on ne voit que ça. Alors peut-être à la limite les cheveux attachés ça pourrait faire mieux, mais là comme ça je dois vous avouer que je ne les ai pas encore portés parce que je suis pas extrêmement fan. Après pour 60 centimes j'ai repris des boucles d'oreilles pompons, celles-ci me plaisent plus mais elles sont un peu petites à mon goût. Donc voilà, elles sont roses, poudrées, beige avec une petite puce et vous voyez par rapport à la taille de mon oreille elle est beaucoup plus discrète. Ça je préfère, j'aurais dû m'en prendre en d'autres couleurs vu le prix, elles sont trop mignonnes, je les ai déjà portées, elles font leur effet. Mais voilà, j'aurais aimé, en fait je cherche les boucles d'oreilles que ma sœur a en pompons, les noires, voilà, je les cherche, elles sont trop trop belles. Ensuite pour 3,33€ j'ai pris 34 pièces de petites licornes sur des pics. Donc il y en a des différentes, j'ai celles-ci qui sont que des licornes et là j'ai un mélange de licornes, de couronnes et d'arc-en-ciel. Voilà, je vais pas les déballer parce que sinon c'est clair que je vais les perdre avant le jour J. Ça c'est pour planter en fait sur, je sais pas, des tomates cerises, des petits gâteaux en fait, pour que les invités vous salissent pas les doigts puisque ce sera un apéro dînatoire et pas un repas. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite j'ai pris un lot de 25 pailles pour 2,04€. Je voulais des pailles licornes sauf que elles faisaient très enfantin en fait. Du coup comme mon thème reste dans ces couleurs là, j'ai trop kiffé ces paillages, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon, on est normalement à peine 20 en comptant les enfants, donc je devrais avoir assez. J'ai pris celles-ci, elles sont super belles. Là, c'est des roses avec des cœurs, vous avez des roses gold, enfin voilà, elles sont très très belles et elles font assez costaud. Je sais pas si c'est du plastique ou pas. Ça a l'air d'être du plastique. Ouais, et elles sont très très dures parce que j'appuie, ça s'écrase pas. Pour 2,62€, j'ai pris une nappe. Je la voulais trop, elle était trop trop belle. Je l'ai pas ouverte plus que ça. J'ai juste regardé le motif, donc je sais pas si elle est assez grande pour la table qui est chez mes parents dehors. C'est une matière assez belle, franchement assez qualitative. Je sais pas si ça se dit. C'est une matière qui fait assez de bonne qualité quand même. C'est assez épais pour du... C'est du plastique mais c'est bien épais. Le motif il est super beau. Donc il y a ça tout le long. Je vous mettrai une photo. Et voilà, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je trouve que c'est vraiment le petit détail qui va tout finir par rapport au thème. J'ai acheté cette coque que vous voyez, donc pas le petit appareil là, ça c'est, je vous l'expliquerai après. J'ai acheté cette coque pour 1,74€. Voilà, elle est super mignonne, super belle. Je voulais une coque qui brillait un petit peu comme celle-ci, donc c'est fait. J'ai racheté du coup pour aller sur ma coque, parce que ça je m'en passe plus, cette petite bague de téléphone pour 60 centimes. Donc moi je l'ai pris rose gold avec une tête de chat, mais vous avez des cœurs, des étoiles, tout ce que vous voulez, même des têtes de lapin et toutes les couleurs aussi. Mais moi voilà, j'ai voulu garder le même que j'avais avant parce qu'il est très très bien. Écoutez, c'est tout pour le haul AliExpress, donc si vous voulez arrêter cette vidéo maintenant, vous pouvez, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon anniversaire, qui vient pas du tout d'AliExpress, mais qui vient d'une grande surface. Ça ne vient pas d'une grande surface, mais ça vient d'une solderie, plutôt une petite solderie à côté de chez nous qui s'appelle Top Déco, sauf ce que je vais vous montrer ici. Donc ça, ça vient de Jiffy, voilà, j'ai pris des petites confettis avec écrit joyeux anniversaire pour mettre sur la table, encore une fois, j'espère qu'il fera pas trop de vent. J'ai pris ces gobelets là qui sont juste magnifiques, je sais pas si ça se voit mais ils sont holographiques, voilà, ils sont trop trop beaux, ils étaient assez chers mais ils sont juste trop beaux. J'ai pris plus de verres puisqu'il y aura des verres pour l'alcool, pour le soft, et pareil j'ai pris plus de serviettes parce qu'on n'a jamais assez de serviettes, et plus d'assiettes parce que je veux des assiettes pour le salé et des assiettes pour le sucré. J'ai pris ce lot de serviettes, j'ai complètement flashé dessus, c'est exactement les mêmes motifs qu'il y a sur mon mur, sauf que là c'est jaune et blanc, et sur mon mur c'est jaune, blanc et rose, mais voilà, je les adore, c'est ma couleur, c'est mon motif, c'est trop trop beau. Donc là ce que je vous ai montré ça vient de Jiffy, et ce que je vais vous montrer du coup ça vient de Top Déco. J'ai acheté il y a un petit moment parce que je savais que je ferais mon anniversaire et je voulais pas qu'il y en ait plus. Donc j'ai pris ce petit lot de bougies pour 1,20€, c'est des bougies rose gold. C'était 1€ l'unité et j'ai pris, non pas comme ça, 52 non, j'ai pris un 2 et un 5 bah, pour faire 25 ans tout simplement. Je trouvais ça plutôt mignon, je l'ai voulu en très gros, mais finalement mon gâteau sera pas si gros que ça parce qu'on est à peine 20, donc on va pas mettre des bougies plus grosses qu'autre chose.
J'ai pris une petite banderole comme celle-ci avec Happy Birthday, elle est super belle, elle est toute douce, elle est rose poudrée, c'est écrit rose gold. Elle est belle, je l'ai payée 2,70 et elle fait 3 mètres, donc ça ce sera dans les arbres si on est dehors et sinon sur un mur. J'ai pris ces gobelets licornes, il y en avait 8, donc j'en ai pris 2 parce qu'à la base on était censé être que 16 et le nombre a augmenté. C'est pour ça que j'ai acheté du coup d'autres gobelets holographiques. Et ça, ce sont des licornes, ils sont super beaux, c'était 2,20€ les 8. Ils sont magnifiques, ça me va me briser le cœur de devoir les jeter. Du coup, dans le même esprit, qui vont avec les verres pour 3,20€ les 8, j'ai pris des assiettes licornes. Je sais pas, oui, on va voir. Elles sont super belles. Il y a une petite licorne dans le fond. Du coup, il faut que je trouve. Là, j'en ai que 16. Il faut que j'aille en racheter. Mais je prendrai pas les licornes parce que, sincèrement, 3,20€ pour des assiettes en papier, ça commence à faire un peu cher. Du coup, je vais prendre des assiettes toutes simples. Pour 3,95€, j'ai. Du coup, j'en avais pile poil 16. J'avais 16 petites serviettes licornes. Et j'ai également pris un chemin de table, il était assez cher, hein. Il est à 7,95€, mais c'est du tissu, donc ça peut être réutilisable, et c'est même sûr s'il est pas taché que je vais le réutiliser. En plus j'ai beaucoup de mètres, j'ai combien? J'ai 5 mètres, en fait c'est un chemin de table licorne, donc il est pas blanc, il fait un peu couleur lin, et dessus vous avez des têtes de licorne en doré tout le long. Donc voilà, j'espère que ça va bien matcher avec la... avec la nappe, parce qu'en fait j'ai acheté ça bien avant la nappe, mais au pire des cas il y aura peut-être deux tables et du coup je mettrai la nappe et sur les autres tables je mettrai que ça, enfin on verra. Du coup voilà pour ce que j'ai acheté, voilà, j'espère que ça vous aura plu, les liens seront en barre d'infos si j'y pense, j'espère y penser. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ce petit haul licorne vous aura plu, je vous dis à bientôt, bye tout le monde.